Bonsoir Dominique, bonsoir, ravi de vous retrouver. C'est donc à Marseille, la toute première Biennale internationale des arts du cirque. Oui, c'est vraiment un événement monstre hein, qui se tient à partir d'aujourd'hui dans la cité phocéenne. Alors vous imaginez, il y a plus de 400 artistes, 55 compagnies, une soixantaine de spectacles différents. C'est le plus grand événement au monde jamais organisé concernant le cirque. Alors il ne faut surtout pas vous attendre à voir des ours, des cracheurs de feu, des jongleurs. Là, c'est honneur au Cirque Nouveau. Je vous propose de regarder ce reportage. C'est un petit avant-goût de ce que ça va être tout au long d'un mois. Reportage Stéphane Stasi, Hervé Garcia. Ce qui est important, c'est qu'il y a des artistes qui viennent du monde entier. Donc maintenant, il y a des compagnies qui viennent de Scandinavie, d'Amérique du Sud, de l'Europe de l'Est, de Chine et d'ailleurs, qui évoluent énormément, qui font des propositions nouvelles, mais avec imprégnées de leur culture. Et nous, ça nous restimule en termes de création, hein, toutes ces rencontres comme ça. Bien sûr, le cirque a un langage universel. On a tous le même langage avec nos disciplines de cirque. Mais par contre, nos esthétiques, nos points de vue sur le monde sont différents. Tout ça crée une dynamique extraordinaire. Le cirque contemporain, maintenant, est passé, on va dire, en 25 ans, de 15 compagnies à 600 compagnies. Et on veut présenter tout ça au public. Le cirque a toujours été un art majeur, en tout cas, c'est le mouvement créatif le plus créatif dans le spectacle vivant depuis 30 ans. J'aime beaucoup Dominique, en tout cas il me reste quelques jours pour aller le voir, même un peu plus d'un mois. Un mois, hein. Marseille attend plus de 100 000 spectateurs, peut-être que vous en ferez partie. En tout cas sachez que cette biennale donc, se tiendra évidemment tous les deux ans et en alternance avec l'autre grande biennale du cirque qui se tient à Rio de Janeiro au Brésil. Du cinéma au programme également Dominique, c'est en Suisse. Oui, c'est aujourd'hui que s'ouvrent les 50e journée cinématographique de Soleure. Alors c'est un très bel anniversaire pour un événement qui à l'origine n'était qu'un séminaire pour les initiés. Aujourd'hui, il est devenu la vitrine du cinéma suisse. Il y a 184 films projetés pendant une semaine. 7 sont en lice pour décrocher le prix de Soleure. Cette année, plusieurs films traitent de la famille et des ruptures familiales. Le prix de Soleure sera remis jeudi prochain. Et on va terminer avec une disparition, Dominique, disparition d'un grand nom de la danse française. Oui, elle s'appelait Wilfried Piollet, danseuse, chorégraphe, pédagogue. Elle avait été danseuse étoile à l'Opéra de Paris, où elle avait interprété les plus grands rôles du répertoire, hein, Gisèle, Le Lac des Cygnes, La Belle au Bois Dormant. C'était vraiment une personnalité atypique avec son mari Jean Guizrix. Ils avaient vraiment essayé de dépoussiérer la danse classique, la danse académique. Ils n'avaient pas hésité notamment à avoir des collaborations avec des danseurs contemporain. Wilfried Piollet est morte d'un cancer mardi, c'est l'Opéra National de Paris qui l'a annoncé. C'était la chronique culture de Dominique Chimbacala. Merci Dominique.